Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis organisée. J'ai préparé un sac pour transvider. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Et oui, encore une fois, un haul action. Écoutez, j'ai une proposition à faire à action. Pourquoi ne pas faire une carte de fidélité? À partir d'autant, vous savez, vous, eh ben, voilà, vous attrapez des points. Et autant, au bout d'autant de points, vous avez le droit à peut-être moins 10%, moins 20%, ou une connerie dans le genre, franchement, ou un petit cadeau offert. Vous savez, ça peut toujours faire plaisir, écoutez. Avec ce qu'on leur donne comme thune, franchement, ils pourraient faire cet effort. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est une idée comme ça. Bref. Et je range en même temps. C'est pas la vidéo pour, mais bon, je viens de me maquiller. Ceci, bientôt. Sur la chaîne, restez connectés, abonnez-vous si c'est pas fait. Voilà. Bref, j'ai été chez Action, il me fallait, j'y suis allée spécialement pour une chose que j'ai achetée par trois. Je vais vous les montrer tout de suite parce que c'est des grosses choses. Et du coup, ben, je me suis laissée emporter au gré des rayons dénudés de leur plastique de Walking Dead. Oui. Nous sommes revenus dans un monde normal. Nous ne sommes plus dans une dimension parallèle avec des allées bâchées, n'est-ce pas? Ça y est, enfin. Donc je me suis laissée dériver au fil des rayons et j'ai acheté. Enfin, au début j'ai mis dans mon panier et après j'ai payé. Et après j'ai fait, oh my god! Faut plus que j'y aille. Mais bref, allez, je vous montre ce que j'ai acheté. Je commence par ce qui me vient d'abord en gros. J'ai acheté ceci. Mon mari m'a dit, ben, t'es là-bas, profites-en, prends-en. Voilà, c'est ça. C'est quoi? C'est des tapis pour les voitures. Voilà, donc il m'a dit, prends-en deux noirs. J'ai pris un gris et un noir. Ouais, faut pas les chercher. Donc voilà, vous voyez, bon, c'est des tapis. Hein. Vous en avez deux pour l'avant et deux petits pour l'arrière. C'est 7,69 €. Ceux-là, c'est les noirs. Donc là, c'est les noirs. Donc voilà, comme ça. Hop. Et vous avez des attaches, je ne sais pas si on les voit là. Vous avez des attaches sécurité pour éviter que le tapis ne glisse vers l'avant ou vers l'arrière, surtout pour le conducteur, pour éviter que ça aille sous les pédales. Ça arrive. J'ai déjà eu le tour. Heureusement, je n'ai pas paniqué. Mon mari m'a appris à pas trop paniquer en voiture. Et ça va. Mais quand on panique assez facilement, ben, ça peut être très dangereux. Donc voilà, ça et le gris qui est ici. En fait, moi j'ai vu noir, bon, c'est gris anthracite. Voilà. De toute façon, vous mettez vos pieds dessus, ça se voit pas spécialement, hein. C'est pas un musée d'art. Bref. Bref. J'ai un chetail, j'y suis allée spécialement pour ça. C'était dans les promos. Et voilà. C'est un tapis de plage avec dossier. VV, mes amis. Donc voilà, ça se présente comme ça. En fait, j'ai acheté ça parce que quand on va en vacances, bon, moi, je n'aime pas aller dans la mer, donc je reste sur la plage, mais je surveille toujours mes enfants et mon mari. Oui, c'est un grand enfant de 37 ans. Cette année 37. Donc du coup, j'étais toujours sur mes coudes comme ça, allongée, mais sur mes coudes pour être redressée. Et c'est vrai que ça fait mal au dos. Oui, je me plains d'aise. Et alors? Donc du coup, j'ai pris ça. Ça se transporte quand même facilement. Hein. Ça se transporte comme un sac. Je sais pas si vous le voyez bien. Et vous avez un petit sac aussi derrière pour vous mettre. Moi, par exemple, je mets mes mots fléchés ou des choses comme ça, mes livres de lecture. Donc j'en ai acheté un verre d'eau comme ça qui sera certainement pour Morgane ou Sébastien. Ils décideront de leur couleur. Hein. Ça, c'est le noir. Oui. Ici, le noir. Et pour moi, devinez un peu la couleur. Eh oui, c'est rose. C'est rose. Ah! Et ça, c'était 6,67 €. Presque 6,70 €. C'était la promo. J'y suis retournée ce matin avec une copine parce qu'elle devait aller à Action. Il n'y en a plus. Pour vous dire à quel point ça passe très vite. Et que c'est bien pratique. Maintenant, on va passer aux plus petites choses. Ça va faire du bruit. Alors, j'ai repris des sacs poubelles en 60 litres. C'est des extra strong, leak-proof, easy to close. D'accord. Donc, c'est très résistant. Normalement, ils sont... Bah, ils font pas de fuite et ils sont faciles de fermeture avec les lacets.
Enfin, moi, j'appelle ça des lacets. C'est des quoi? C'est des cordons qu'ils appellent ça. Des cordelettes, je ne sais pas quoi. Bref, 1,09€. Dedans, vous en avez 15. Voilà. C'est de la marque Dumil. Avant, ils en faisaient des autres qui étaient très bien, mais ils l'ont arrêté. Pourquoi continuer des choses qui fonctionnent? Mais que ça glisse. Je me suis racheté des petites baskets pour cet été. Voilà, je les ai trouvées sympas. Elles sont blanches avec des petits liserés argentés. Je les ai trouvées pas mal. Elles sont assez souples. C'est des petites baskets d'été. Hein. 3,99€. Je les ai pris en taille 39. Il y avait aussi, toujours en blanc, mais avec de la dentelle par-dessus pour donner un petit effet. Et il y avait aussi des bleu marine avec de la dentelle pour donner un effet. Et franchement, pour le prix, pourquoi s'en passer? Ça m'agace que ça tombe. Il bouge plus. Monsieur m'a demandé de lui prendre du WD-40. Donc voilà, ça c'est autour des 2,49€ si mes souvenirs sont bons. Voilà, 2,49€, je vais pouvoir lui faire ses conneries à la cave. C'est pas mon domaine. Pas du tout. J'ai pris, c'était aussi dans un promo de la semaine, c'est au goût poulet, c'est des nouilles, mais là c'est de la marque Indomie. Dedans vous en avez 5, c'était 79 centimes les 5. C'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, on verra bien, mais ça les enfants vont être très contents. J'ai pris de la colle pour terminer l'année à Morgane, 69 centimes, il y a deux gros tubes, donc ça fera très bien l'affaire. Pour Sky, j'ai pris un shampoing, c'est à l'huile de macadamia. Oui, à l'huile de macadamia, convient pour tous les chiens. Donc voilà, c'est celui-ci. On verra ce que ça fait. C'était 1,69€. J'ai pas senti. Donc, ça sent hein, le savon, style savon de Marseille. Voilà, moi je pense que ça sent ça. Maintenant, on verra bien ce que ça dit, parce que là, elle pue la rage. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle pue. Ensuite, j'ai pris ceci. Je vous montre le papier, je vais vous montrer après des pieds. C'est une serviette de plage en forme de cactus. Elle fait 1,65 m. Et bon, c'est pas du coton, c'est de la microfibre. Donc, vous attendez pas à un truc qui absorbe hyper bien. Mais bon, pour Morgane, elle est à la plage, cela a pété un petit peu. Beaucoup. Je l'ai trouvée très jolie, franchement, elle est très sympa. Voilà. Donc ça, c'est la tête du cactus avec des fleurs d'hibiscus. L'imprimé est vraiment très joli et représente très bien. Donc là, vous avez un bras de cactus et le deuxième bras. Et ça s'en va en plus étroit pour les pieds. Donc voilà. Ça, je l'ai payé 7,29€. Donc ça, allez, c'était aussi dans les promotions de la semaine. Pour Dragon, je lui ai pris un short en jean qui m'a coûté 6,99€. Je l'ai pris en taille 5-6 ans. Maintenant, sur les papiers, je l'ai jeté, mais sur les papiers, maintenant, ils mettent 110-116 et aussi l'équivalence en âge. Parce que franchement, c'est la galère, faut bien se l'avouer. Moi, je ne compte pas en taille, je compte en âge. Donc voilà. Donc ça, c'est du 5-6 ans, c'est du 110-116. Il est très stretch. Vous avez 5 poches, donc les deux à l'avant, deux à l'arrière et la petite poche ici dedans. Vous avez des passants pour mettre une petite ceinture, mais également des élastiques sur les côtés pour resserrer si votre garçon comme le mien n'est pas très épais. Voilà, et l'attache, c'est une attache crochet comme ceci. Écoutez, il est bien stretch. Je pense à mon petit neveu qui est mastoc quand même. Il est quand même assez massif et il a 2 ans et demi. Mon fils a 4 ans et demi, bientôt 5. Comment vous dire que maintenant, c'est ma sœur qui va me donner les vêtements qui ne vont plus à son fils pour le mien. Il n'est pas gras. Mon neveu n'est pas gras, il est musclé. Franchement, il est tout en muscle. C'est parce que je ne peux pas me permettre de vous montrer une vidéo. Et de toute façon, ça reste familial, donc non. Mais une fois, j'ai pris une vidéo de lui. Il est tout en muscle, ce garçon. Plus tard, il va faire des ravages. Avec un corps pareil, s'il continue à avoir un corps aussi musclé plus tard, il va faire des ravages, cet enfant. Si ma soeur ne le met pas sous clé, je vais le mettre moi-même. Bref, mais bon, voilà. Très stretch, franchement, j'ai pensé à mon neveu et ses jambons vont bien passer dedans. Donc voilà,
trouve que c'est quand même de la bonne qualité pour 7 euros. Ça fera l'été. Ensuite, oui, ça sent l'été chez moi. Oui, oui, ça sent bien l'été. J'ai acheté des maillots de bain. Pas pour moi. Non, non. On va... Ceux de Action ne me vont pas. Ils ont des trop grosses tototes à Action pour moi, je crois. Ou alors, il faudrait qu'ils fassent des brassières comme pour les enfants pour moi. Bref, j'ai pris un Spider-Man pour Dragan. Donc ici vous avez l'araignée. Et ici la tête de Spider-Man. Il était à 2,98€ dans les promos de la semaine. J'ai pris taille 110-116, donc 5-6 ans. J'espère qu'il ne va pas être trop grand. On verra. Au pire, ce sera pour l'année prochaine. Et pour Tiffania, j'ai pris un LOL Surprise. Voilà, s'il vous plaît. Donc vous voyez, c'est un bandeau comme ça avec des bretelles et une culotte à froufrou. Elle l'a vu, elle a dit « Oh, trop beau, maman !» Bah oui, trop beau, chérie. C'est pour toi. 3,98€, j'ai pris en taille 122-128, donc ça, c'est du 6-8 ans. Je les lave, bien sûr, je les lave avant qu'ils les mettent. Hein. Au passage, ensuite, j'ai repris de la mayonnaise. Bah oui, en début de semaine, on a fait un barbecue. Mais oh là là, quelle déception. Mon mari n'a pas pu avoir sa mayonnaise. Donc, pour lui, ce n'était pas un barbecue. Je lui en ai acheté trois. Le troisième, il est déjà dans le frigo. Voilà, donc c'est de la mayonnaise Heinz. Elle est super bonne, celle-ci. Franchement, vous pouvez y aller. Il y a 775 grammes et j'ai payé 2,29€. J'ai pas noté le prix dessus. Et ah si, il est là. J'ai mon ticket de caisse. Par 3, oui, 2,29€. Donc, franchement, ça vaut le coup. En plus de la Heinz, moi, je trouve qu'elle est délicieuse. Nous on ne jure quasiment que par Heinz hein. De toute façon je vous le remontre encore maintenant qu'on ne jure que par Heinz. J'ai repris un gros tube de ketchup, il y a 1,5 kg dedans, je l'ai payé 3,75€. J'en reprends régulièrement parce que c'est vraiment la sauce qui part le plus vite à la maison, c'est le ketchup. Et on prend celui-ci parce qu'on trouve que le Amora est trop épicé, donc il pique un peu. Voilà, on trouve que c'est le meilleur goût, tout simplement. Certes c'est peut-être pas la meilleure composition qui existe, mais bon voilà. Voilà, voilà. Ensuite, bon, là, je vais vous montrer déjà ça. J'ai acheté un nonos pour Sky. Alors, j'ai acheté un nonos pour Sky. Donc, lui, il était à 1,09€. C'est un os de bœuf fourré avec de la viande, non, c'est ça? Ouais, de la farce à la viande. Donc, voilà. Je l'ai payé à 1,09€. Et mon mari, hier, arrive avec un os aussi pour elle faire ses dents. Donc, voilà. Hier, mon mari lui a donné le sien qu'il avait acheté. Il a dit, c'est moi d'abord. On aurait dit un gosse. Non, c'est moi d'abord. Elle est, on a dû lui enlever parce qu'elle a fait que ça pendant 3 heures. Sinon, elle ne mangeait plus. Elle s'amusait à déchiqueter l'os. Donc voilà, ça reste bien sûr, on est sous sa surveillance parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une. Vous comprenez? Je reviendrai sur nous plus tard. Donc voilà, donc du coup, elle a un os en rab, plus des os qu'on avait acheté chez le boucher, qu'on a mis au congélateur, étant donné qu'il reste légèrement un peu de viande dessus. On l'a mis au congélateur, comme ça, ça ne périme pas. Et on lui donnera au fur et à mesure. Mais bon, pour faire les dents, c'est très bien. Ensuite, là, j'ai éparpillé dans les deux sacs. Donc, je mets tout sur le bureau et je vous reprends tout de suite après. Balayette et une ramassette. Bon, ça, vous allez en voir quasiment 6 fois par an des hauls où je ramasse où je rachète ça. Il est bouffe à la maison. En plus de ça, Sky a pris ça pour un jeu. Donc voilà. Donc j'en ai racheté une. 89 centimes. Oui, je ne me ruine pas avec ça, mais bon, ça me fait chier, littéralement, de devoir en racheter une quasiment tous les deux mois. Ensuite, j'ai racheté des petites lavettes. Ah, moi, j'appelle ça des lavettes. Ils appellent ça comment ? Chiffon universel par 10, 1,29€. Écoutez, j'aime bien prendre cela parce que j'aime bien. Ma maman prenait souvent des comme ça quand j'étais plus petite et du coup, c'est resté dans mon esprit. Et du coup, j'achète cela. Ensuite, du coup, c'est apparu en France, donc j'en ai racheté un de chaque. Ce sont les flocons de foile, voici, comme ceci. Donc, vous avez les rose gold, les dorés comme ceci et les argentés. J'espère que ça filme, oui.
Elle est argentée comme ceci. J'ai regardé en Belgique, ils sont quand même plus respectueux. Je vous fais un aparté. Hein. En Belgique, ils sont quand même un peu plus respectueux des produits qu'en France. Parce que du coup, j'ai ouvert pour vérifier que le produit n'était pas ouvert. Et vous, en Belgique, je n'ai eu aucun problème. J'ai regardé quand j'ai pas regardé quand je les ai achetés, rien n'était ouvert. Là, heureusement que je les ai regardés parce que j'en ai ouvert trois qui étaient déjà, enfin, ouverts. J'ai dévissé parce que vous allez voir, c'est operculé, voilà. Et généralement, le carton du fond du couvercle vient dessus. C'est operculé, donc j'ouvrais pour savoir si c'était toujours operculé et je suis tombée sur trois trucs déjà ouverts. J'ai galéré pour trouver un de chaque non ouvert. Franchement, je trouve que en France, tout du moins dans mon coin, les gens ne sont pas très respectueux des produits. Franchement, non. Oui, s'il y a un truc qui est déjà ouvert, oui, continuez à l'ouvrir pour si vous voulez tester et tout ça. De toute façon, je trouve qu'ils devraient faire ça dans Action. Par exemple, quand ils font des palettes, ouvrez une palette et laissez-la à disposition des tests. De toute façon, ça vous évitera du gâchis parce qu'il y a beaucoup de palettes qui sont swatchées et du coup qui ne sont pas vendues, tout simplement. Bref, allez, je termine là. Ça, c'était 94 centimes la boîte et franchement, je suis contente d'en avoir retrouvé. Ensuite, j'ai pris des petits tampons. En plus de ça, j'ai pensé à Jessica de la chaîne Life Tissier à Miel. Faites-y-moi penser, s'il vous plaît. J'essaierai de mettre sa chaîne en petit i et en barre d'infos. Mais il faut que j'y pense. Elle fait un bullet pour aider à gérer son argent, enfin son budget, tout simplement. Et j'ai pensé à elle. Et je me suis dit, ben tiens, on en avait déjà parlé à deux, comme quoi j'y arrivais pas. Et j'ai dit, allez, je vais essayer de m'y remettre. Je vais acheter des choses qui vont peut-être me donner envie. Du coup, j'ai trouvé ces petits tampons. Tout ça pour dire que j'ai trouvé des tampons. Mais du coup, j'ai pensé à Jessica parce que ça pourrait peut-être l'intéresser. Voilà pourquoi j'ai pris. Ouais. Et c'est pas cher, 49 centimes la plaquette. Et alors, dessus, là, vous avez un set, on va dire, dédié au jardin. Voilà. 49 centimes. Vous avez un set dédié au jour avec, enfin c'est un petit peu, oui on va dire dans les jours, vous avez 58 quand même tampons dedans celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous avez des bulles et tout ça, franchement j'ai trouvé ça pas mal, dans le premier vous en avez 58 également, et le dernier c'est plus on va dire estival avec l'été, des lunettes, la fête, j'ai trouvé ça pas mal, des to-do list, des lettres également. Et là, vous en avez 81. Donc voilà. Pour 49 centimes, j'ai vraiment pas trouvé ça cher. Et ça peut peut-être m'aider à me remettre dans mon petit bullet. Donc voilà. J'ai repris, c'est les dernières fois qu'ils vont le faire. J'ai pris donc des pinces. J'en mets jamais, j'ai dit, ben tiens, je vais tenter. Ce sont des pinces comme si vous avez une pince avec des coris nacrés, une pince avec un coris doré, une avec des petites perles et l'autre avec des petits strass. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ça, c'était 1,59€ et c'est des up-up. Up, donc, voilà, voilà. Ensuite, pour Morganus, c'est où? Pour Morganus, j'ai pris des brush pens. 1,45€. Dedans, vous avez 6 crayons en teinte denim blue, ocean blue, pétrole, sage green, vintage green et sea green. Vous aviez également d'autres sets, d'autres teintes, mais je me suis dit, je vais attendre, voir si ça l'intéresse. C'était 1,49€. C'est une mine de 0,5 mm. Voilà, on verra si ça lui plaît et tout simplement. Ensuite, j'ai trouvé, ce sont des nouveautés. Normalement, j'ai un de chaque. Oh non! Oh non! Oh non! Vas-y! Téléchanter la chanson jusqu'au bout, mais vous m'avez trouvé. J'ai pris ça. C'est quoi? C'est des feutres aquarelles. Écoutez, j'étais étonnée de trouver ça. Ils disent bien que ce sont des marqueurs liquides pour l'aquarelle avec une pointe pinceau. Dedans, vous avez 4 couleurs. Donc, vous avez dans les tons roses comme ceci.
dans les tons jaune orangé comme ceci, dans les tons bleus, les tons verts et les tons marronnés avec du noir. Ouais, je parle bien, ouais. La pointe est comme ceci à l'intérieur, elle fait 4 mm. Et en fait, vous avez vu que, bon, un jour ou l'autre, je vais refaire mes ongles. Et j'ai vu pas mal de tutos avec de l'aquarelle. Donc, si ça peut me faciliter la vie, je prends. Voilà. C'est 99 centimes le set. Donc, en plus de ça, c'est pas très cher. Et quand bien même, si je n'arrive pas à me dépêtrer avec ça, je peux toujours les donner à Morgane pour elle faire ses dessins. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de faire de l'aquarelle sur les ongles, si vous faites des ongles et que ça vous intéresse tout simplement, sachez qu'à Action, ils vendent des petites palettes hein, qui sont pas chères, que je vous avais montré dans mon ancien haul Action. J'ai une playlist Action, hein, au cas où si ça vous intéresse. Oui, je sais que je vais souvent à Action, ma playlist, elle va faire 15 km. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, si ça vous intéresse de faire de l'aquarelle sur les ongles, sachez que vous avez des trucs aquarelle sur Action qui ne coûtent pas cher, que vous pouvez tester. Et ensuite, si vous voulez vous embarquer dans de la meilleure qualité, libre à vous d'aller sur d'autres sites. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un truc qui tombait à pic. Mais quand je vous dis à pic, c'est vraiment qui tombait à pic. On parlait avec ma sœur, ma grande sœur a fait un mur complet en ardoise, en peinture ardoise pour ses filles. Elles écrivent à la craie, mais quand elle a vu la poussière, elle était en dépression. Et ma petite sœur lui a dit, oui, mais tu sais, il existe des stylos avec de la craie liquide dedans, du coup, ça ne fait pas de poussière. Et pour essuyer, c'est avec de l'eau, tout simplement, une éponge avec de l'eau, tu l'essuies et ça passe. Elle dit, ah ouais, c'est vrai que c'est bien. Elle a regardé sur internet, je ne sais plus si c'est pour les 12 ou les 24, ça coûte 34 €. C'est franchement, c'est cher, mais bon, elle disait, pour ma tranquillité d'esprit et ma tranquillité physique de ménage, je vais investir. Elle me parle de ça et la semaine dernière, et là, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Action? J'en ai trouvé. Oh non, il y en a un qui est ouvert. Ah, c'est bon. J'ai quand les quatre. J'en ai trouvé. Donc, j'ai pris ce qui restait dans les rayons. D'accord? Parce que ça va partir à une vitesse folle. Franchement, si vous les avez, prenez un stock si vous faites des tableaux chez vous et que vous ne voulez pas de morceaux de craie chez vous. Prenez un stock. Hein, parce que ça part à une vitesse grand V. Avant-hier, je suis allée aux Actions pas loin de ma ville. J'ai pris les restes. Aujourd'hui, je suis allée aux Actions avec une amie parce qu'il me fallait des choses. Il n'y avait rien. Il n'y en avait pas. Il y avait l'étiquette, mais il n'y en avait pas dedans. Bref, j'ai trouvé du coup les kits. Il y avait 3 kits avec du vert, du bleu et du un peu mordoré vert. Je vais vous les sortir. Voilà. Mordoré vert, jaune, vert et vert menthe. La pointe se présente comme ceci. Et c'est écrit même sur la main. Ouh. Et ça sèche vite. Et ça sèche vite. Regardez, ça sèche. Ça sèche vite. Enfin bref. 99 centimes le paquet, donc foncez quoi. C'est pas cher. Ça peut vous faciliter la life un petit peu. Donc, il y a 3 sortes. Il y a les verts. Merci. Donc, j'ai pris les 3 qui derniers. Les 3 qui restaient. Vous avez ensuite dans les teintes gris-noir. Donc, vous avez blanc-noir, un genre de bleu-gris et un gris. Non, mais un jour, tu vas y arriver. Voilà, un gris, un noir, un bleu-gris et un blanc. Bon, du noir sur un tableau noir, vous n'allez pas le voir. Hein. Je dis ça, je dis rien. Toujours 99 centimes. Je crois qu'il y avait une odeur, mais non, c'est pas ça l'odeur. C'est autre chose. Et ensuite, vous aviez dans les teintes roses, comme ceci.
Ouais, non, c'est pas le même. Je croyais que celui-ci était le même que dans le vert, mais non, c'est pas le même. Donc là, vous avez un violet, un plus rouge framboise, on va dire, un rose et un doré rose gold. Voilà, plus rose gold. Ouais. Celui-ci, c'est un rose gold. Dans l'autre, c'est vraiment un vert jaune. Voilà, donc pour 99 centimes, franchement, je vous le redis, si vous les voyez, prenez un stock, hein, parce que ça va vite partir. Voilà, tout simplement. Je les mets en place. Donc en rose, j'en ai eu deux, et en gris, j'en ai eu deux. Il n'y a que les verts que j'ai eu en trois. Ensuite, j'ai repris une brume toucan. Voilà. To can play at that game, ça c'est 2,44. Et ils en ont fait une nouvelle, ou alors celle-ci était tellement vite partie que je ne l'ai pas vue, c'est la I'd only make room on my Lilo for Leo. Y'a rien compris. C'est de Material Girl, et celui-ci c'est à la mangue et au dahlia, et franchement je l'ai senti, ils sont super bons. Ah ouais, il sent super bon. C'est celui-ci. En plus de ça, les packaging, je les trouve super beaux. Pareil, 2,44. Et en dernier, vous avez entendu, je pense, très certainement, parler de cet engouement pour les eaux aromatisées sans sucre que vous avez chez Twinings, chez Lipton, mais également sur d'autres marques, je pense. Et ça coûte un bras, hein. Clairement ça coûte un bras, je ne saurais pas vous dire exactement le prix, j'en achète parce que ça me permet de boire de l'eau plus facilement. Je bois de l'eau, oui, je bois plus facilement des sodas que de l'eau, un peu comme tout le monde j'ai envie de dire, l'attrait du sucré est là. Mais du coup je ne bois pas assez d'eau normale, alors j'ai acheté ces infusions, sauf que ça coûte un bras comme je vous l'ai dit, et là chez Action on en trouve maintenant. On trouve de la marque Tea Time, c'est des cold infusions, donc des infusions à froid. Ici, c'est lemon, lime and mint flavor. Oh là là, j'ai un anglais de fou, quoi. Ah. Oh. Donc, c'est au citron, au limetier, donc citron vert, hein, et à la menthe. Il est bon. Il n'est pas sucré. Mais il est bon, bien bien frais, franchement ça doit être une tuerie là pendant les périodes estivales, ça va être une dinguerie. Ça j'en ai acheté qu'un seul, que j'ai déjà goûté bien sûr avec ma maman. Ma maman dit pareil que moi, en été, elle quand elle va aller travailler, elle dit ça va être une tuerie. Donc voilà, 99 centimes. Mais j'ai aussi pris, il y avait un deuxième goût et c'est celui-ci, c'est à la fraise et à la framboise. Celui-ci il y a de la stevia, celui-ci aussi il y a de la stevia. Hein. Mais bon. On considère que c'est sans sucre. Mais celui-ci, il y a de la stevia. On sent légèrement le goût sucré de la stevia, mais pas le goût de la stevia en elle-même. Je sais que certains trouvent une différence entre la stevia et le sucre. Moi, je n'en vois pas. Mais du coup, on l'a goûté avec ma maman. Et franchement, ça a vraiment le goût d'une citronnade... enfin, d'une limonade, pas une citronnade, parce que citronnade, c'est au citron. Une fraisade, framboisade. Vraiment ça a le goût de la fraise, ça, vous avez le goût d'une petite limonade dedans, c'est super agréable, c'est bon, c'est pas fade. Là dans ce qu'on a de chez Twinings et Lipton, il n'y a pas du tout de sucre, même pas de l'aspartame dedans. Du coup par moment ça semble un peu fade, tandis que celui-ci non pas du tout, et 99 centimes. Du coup j'en ai racheté deux celui-là. Mais je vais aussi aller racheter celui-ci parce que justement en pleine canicule ça peut être super intéressant. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant, 99 centimes, si vous ne buvez pas beaucoup d'eau nature, ça peut vous aider, je ne dis pas que ça remplace l'eau, hein, mais ça peut vous aider à justement vous inciter à boire. Et en dernier, j'allais les oublier, c'est parce que je les vois là maintenant, j'ai pris des arbres magiques comme ça et j'ai pris la senteur sport. Mon mari m'a racheté une voiture et dedans, ça sentait super bon. Je me dis, putain, c'est quoi qui sent bon comme ça? Je lui demande si c'est pas lui qui a mis son parfum parce que ça sentait le parfum d'homme. Je dis, c'est quoi ton parfum? Ça sent bon dans la voiture. Il dit, non, c'est pas moi, j'ai pas mis de parfum. Je dis, ah, d'accord. Je voulais lui dire qu'il puait, mais bon, non. Bref. Et du coup, En débarrassant la voiture la dernière fois, j'ai trouvé ça. Je dis, pourtant, c'est pour moi qui l'ai acheté. Du coup, je le sens et c'est ça, en fait, qui sent super bon. Du coup, j'en ai racheté 3. 1,09€. Voilà. 3. Je vais sentir bon dans la voiture. C'est déjà pas mal. À défaut d'avoir
du sang bon tout le temps, ben, dans la voiture, ça sentira bon. Bon, ainsi se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Me mettre un pouce en l'air si c'est le cas. À me laisser un commentaire, me dire un petit peu si vous avez trouvé ce que moi j'ai trouvé, ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant. Pourquoi important ? Oui, c'est peut-être important pour certains, mais c'est plus intéressant de savoir ce que les gens pensent des produits. On a tous des avis différents. Voilà. C'est intéressant d'avoir l'avis des autres. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est avec plaisir que je vous accueille chez moi, parmi moi. Vous êtes le ou la bienvenue. Vous allez entendre justement mes bafouilles. Je bafouille souvent. Je veux parler trop vite. C'est mon gros défaut, je pense. Non, j'en ai encore des autres. N'oubliez pas, je suis l'imperfection même. C'est moi, Miss Imparfaite. Coucou! Oui, oui. Bref, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!